Un croque-monsieur façon pizza hyper gourmand et facile à faire. Allez, je te montre comment faire ça aujourd'hui. C'est parti! Pour commencer, tu auras besoin de prendre la boule de pain de ton choix. Tu vas t'en couper deux belles tranches comme moi dans la vidéo. La première, tu l'écrases bien comme il faut et par-dessus, tu ajoutes deux bonnes cuillères à soupe de crème fraîche. Une fois que t'en as bien étalé partout, tu vas pouvoir déposer trois tranches de mozzarella et trois tostinettes de cheddar. On va également ajouter de l'origan avec quelques coups de moulin à poivre. Par-dessus, on dépose un peu de coulis de tomate qu'on va étaler avec une cuillère. Tu refermes ton sandwich avec ta deuxième tranche de pain. Surtout, n'hésite pas à bien l'écraser avec tes mains pour le rendre le plus plat possible. Alors, pour la cuisson, je te conseille de prendre une grande poêle dans laquelle tu vas venir mettre un morceau de beurre. Ensuite, tu déposes ton sandwich directement dedans et tu vas le faire cuire 5-6 minutes de chaque côté. Une fois que tu obtiens une belle coloration, ça veut dire que tu peux le retourner. Enfin, une fois qu'il est cuit, tu vas pouvoir le sortir et le mettre sur un plat qui va au four. D'ailleurs, je précise bien que ce croque-monsieur, c'est pour 2 à 3 personnes. Pour une personne, ça fait un peu gros. Bref, par-dessus, tu vas rétaler une nouvelle fois un peu de coulis de tomate et tu vas râper de la mozzarella. Si jamais tu galères comme moi dans la vidéo, n'hésite pas à mettre directement des morceaux, ça sera beaucoup plus facile. Tu auras également besoin de prendre du chorizo que tu vas couper en fines rondelles et tu les déposes directement sur la mozzarella. Ça part au four quelques temps et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster.